Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes vendredi. Je viens d'aller chercher les courses. C'est aussi également quel jour aujourd'hui? Est-ce que c'est un jour? Non, c'est pas un jour spécial, il se passe rien aujourd'hui. Si. Non, c'est vrai. Je croyais que c'était un jour spécial, mais en fait, non, pas du tout. Je vois pas ce qui a pu se passer d'ailleurs. Ah oui, c'est l'Immaculée Conception ici aujourd'hui. J'ai pas compris. Voilà, vous le saurez maintenant. Si vous le saviez pas, voilà, c'est l'Immaculée Conception. Le voilà, il va avoir... il va avoir... Non, ça y est, maintenant, il a l'Immaculée Conception à 11 ans. Pourquoi tu m'appelles l'Immaculée Conception? Parce que c'est la Saint Immaculée Conception aujourd'hui. Ah. Et l'Immaculée Conception... Ça veut dire, tu sais pas, oh. C'est pas grave, tu sauras plus tard, ou tu regarderas sur internet. Tu peux taper sur Google Immaculée Conception, tu verras la définition. Donc retour de course, c'est parti parce que j'ai pas trop le temps hein, comme d'habitude, vous le savez. Je pense que ça va être c'est mon mot d'ordre. Hein. Donc au niveau du frais, j'ai pris. Des lardons, j'en avais plus. Enfin là, c'est des allumettes de jambon. Il y a sur le drive, il y a plus de bacon. Donc bon, d'après, j'ai pris ça. Je suis moins fan que le bacon, mais il n'y avait pas. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris des galettes bretonnes. Voilà, des petites galettes pour demain midi. D'habitude, je prends un pack de 6, mais il n'y avait pas. Donc j'ai pris deux packs de 4. Mais du coup, moins parce que maintenant, ils en mangent tous deux. Donc ils seront tous contents. Je sais ce qu'a mangé la. La prof d'allemand à ce midi. Ah bon? Oui, elle a mangé un soba. Ah cool, c'est bon ça les soba. Parce que ça sentait. Non, c'est parce que dans son sac, genre elle l'a sorti et du coup elle a dit j'ai hâte de manger ça. Et du coup bah... Et t'as dit oui moi aussi. Oui j'en veux. Oui j'en veux. Et j'ai racheté donc du coup du jambon mais... J'espère juste que j'ai un autre sac parce que là, 4 tranches, ça va être compliqué pour les crêpes, pour les galettes. J'en ai plusieurs paquets, on est sauvés. Sachant que samedi soir, je voulais faire des croque-monsieur parce que ça fait un petit moment, mais je me dis, on mange déjà des galettes le midi, jambon, champignons, fromage, et le soir, du coup, croque-monsieur, donc ça va pas le faire, donc je trouve autre chose. Après, j'ai encore de la viande et des légumes au congélateur, donc je pense que ça va plutôt finir par un... One pat, je sais pas quoi, un hein, one mélange viande, légumes, etc. Vous savez, avec du poulet, tout ça. Je pense que ça va faire un petit mélange comme ça. Ensuite, j'ai pris des yaourts, voilà, leur yaourt. J'ai repris les spätzle. Moi, j'adore ça, je suis la seule à en manger, mais j'aime trop ça. Donc là, j'ai pris un petit paquet, voilà, à poêler. C'est tellement bon ça. Oh non ? Oui. Pour ma jambe, il y a marqué sans Elfried. C'est Elfried? Oui. Elfried? Non? Elfried? Non? Ah non, Elfried. Elfried. Ok. De la salade. Je te dis, tu regarderas sur internet. Du skir, il y avait une promo, c'était offert jusqu'à 3. C'était 2 achetés, le troisième offert. Par contre, il n'y avait que, plus que myrtilles. Donc j'ai pris 3 myrtilles, c'est ça, oui. 3 myrtilles. Les autres sont encore dans le sachet. Ça. Et j'ai pris des petites saucisses cocktail, voilà, pour l'apéritif dimanche. Un sachet de gruyère parce que bah j'avais pensé pour les galettes et pour les croque-monsieur, mais finalement. Ça servira aussi pour autre chose. Du Babybel. Je vous avoue que j'ai pas pris. J'ai vraiment pris que pour ce week-end. Et l'ustucru. J'ai pris des gnocchis, mais regardez la taille du truc. Donc bah, ça sera. C'est marqué pour 2 personnes. Mais en fait, j'ai pas fait attention au paquet. Je me suis dit, oh, 2 personnes, ça devrait quand même aller. Mais c'est vraiment tout petit. Donc bah, en fait, voilà. Ça sera pour une personne. Donc dans la semaine, j'irai en racheter. Puis ça fera un complément. Voilà pour le. Ouais, je regarde. Voilà pour le frais. J'ai pris 6. J'ai repris pareil des œufs. Ils n'avaient plus, donc j'en ai pris que 6. Il n'y avait plus en grand. C'est un peu. Hein, j'ai un peu galéré. J'ai réussi à faire mon drive parce qu'il fallait vraiment que je fasse un drive, je vous l'avais dit. Mais j'ai pris que le minimum vital. Alors, pour ce qui est légumes, j'ai repris, je sais, j'avais dit que je n'en rachèterais plus. Des petites tomates cerises. Voilà, ça j'ai repris. Et j'ai repris des petites sucrines, celle-ci. C'est bon.
Evan et moi, on grignote ça, franchement, on adore savoir. Ça, c'est vraiment très très bon. Celles-ci, en plus, elles sont petites, elles ont une très bonne, la bonne taille. Hein. Ça, c'est... ouais, ça t'adore aussi. Et j'ai repris des Pink Lady. Ça aussi, j'aime bien. Oui, ça, c'est pour moi, ça. Mais à chaque fois que je laisse la boîte, de toute façon, elle est toujours vide. Il n'y a pas que moi qui en mange, hein. Toi et ton père C'est quand la dernière fois que tu as laissé une boîte? La semaine dernière. J'en ai pas mangé. Ben, ça doit être papa. Donc on parle des graissins, voilà, ça, au sésame là, c'est un super bon goût. Et j'ai repris des petits wraps pour me faire mes petits wraps. Alors qu'il y a marqué graissin. Graissin, j'ai dit. Graissin au sésame. J'avais cru entendre graisse. Non, graissin au sésame. J'ai repris des petits biscuits apéro pour l'apéro de dimanche, voilà, des Monster et des Curly. Par contre, je vais les cacher parce que sinon, il y en a un qui va les manger avant dimanche. Ça s'appelle Petit Chat. Ouais, ou Gros Chat, ouais. Bah, c'est pas gentil. Bah, ça mais c'est la réalité. C'est un gros matou quand même, hein. C'est pas un petit chat quand même. Hein. Il fait plus d'un mètre 80 quand même, hein, pour un petit chat. C'est vrai que pour un chat, c'est grand. Oui, pour un chat, c'est grand. Hein. Presque pas loin d'un mètre 85, c'est grand quand même. Hein. Pour un humain, c'est standard. Dans la moyenne. C'est dans la moyenne. C'est un peu plus la taille d'un humain. C'est ça. Donc c'est pour ça, ça mange beaucoup. Et il faut cacher les choses. J'ai repris cette sauce-là. C'était en promo et ça sert toujours. Voilà. Donc j'ai pris ça. Et du coup, je me demande même si je vais pas l'utiliser pour faire mes poivrons et tomates farcies de dimanche. Je pense que je vais utiliser ça. J'ai repris des petites. C'est pour ça qu'Evan il en parlait. Voilà, des petites nouilles comme ça instantanées. Bœuf et poulet, bah ça c'est pour eux. Soba. Oui, c'est comme des soba. Et j'ai pris, j'avais pas vu que c'était un lot de 3 là pareil, j'ai cru que j'en prenais qu'un seul. C'est au poulet, voilà, c'est les petits sachets, vous savez, vous mettez dans les bols. Comme Evan il a eu dans à son anniversaire, vous savez, le fameux bol, bah voilà, vous pouvez mettre des petites nouilles comme ça. Ensuite, j'ai repris des beignets pour comme ça, pour les goûter des vannes, j'ai pris les 3. Pomme, chocolat, framboise, voilà, comme ça il sera tranquille pour un bon moment. Du pain de mie classique et pain de mie complet sans croûte pour moi. Et le Graal, j'ai pris des pains au chocolat, voilà, enfin le Graal pour eux, des pains au chocolat, j'avoue, j'aime bien en manger un aussi de temps en temps. Donc voilà, voilà pour les courses, ouais, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Je vais ranger tout ça, puis après on se retrouve après. Je vais faire du rangement, mon ménage, je vais faire mon ménage, voilà, mon ménage de normalement du week-end. Et puis après on se retrouve pour les calendriers, tout ça et tout ça. Et puis, puis pour Evan, je vais essayer de me dépêcher pour qu'on puisse. Il va avoir droit à un cadeau normalement, un ou deux petits cadeaux aujourd'hui exceptionnellement. Et s'il fait ses devoirs, parce que là il est censé faire des devoirs. Et puis voilà, on se retrouve juste après. Il a dit quoi? Enfin, moi, de ma part, il a deux mains. Hein. Là, c'est de ma sœur. Je dépose
C'est des Posca. Oui. C'est des feutres. Des feutres. Peinture. Feutres oui. Peinture, ouais. Ah, j'ai déjà eu ça. Ça tient bien, ça ? Parce que moi, les miens, je les utilise une fois et après, c'est la boîte est toute sèche. Ah, bon, là, les Posca, c'est. C'est la meilleure marque. Ah non, c'est de la marque. C'est au prix du. Au prix de la boîte. Je pense que tu peux en avoir 1000 de chez Posca, de chez AliExpress. Parce que la pointe elle sèche au bout d'un moment et puis la peinture va plus dedans. Oui, oui. Non, non, ça reste. Il faut bien les refermer, mais. Je m'en sers deux fois, mais. Ouais, t'as de quoi faire avec ça. T'as plein de couleurs. Je sais où servir. Il te manque plus que des blocs de feuilles adaptés et puis c'est bon. Oui. Ah, t'as deux blancs. Non, mais c'est, ah plus non, un, c'est beige. Un beige. Ouais. Ouais. Cool. Par contre, j'ai deux rouges, ouais. Deux roses, ah oui, deux c'est jaunes. Ils paraissent plus petits, non? C'est la même mine? Ou c'est pas les mêmes mines parce que... Non, si. C'est marqué fait... devant. Mine 0,9 à 1,3. Et l'autre... Ah oui, c'est les plus gros. Les autres, c'est 1,8, 2,5. Donc c'est pas... Il y en a qui sont plus gros que les autres. Pour pouvoir faire des beaux dessins avec ça. Oui. Ok, voilà. J'ai déjà le liner graphite. Et là, tu commences à être bien équipé. Hein. C'est pas mal du tout. Mmh. On dirait que ça fait de la craie. Ouais, comme de la craie. Hein. Bon, le feu, je suis pas très fort. Pardon. Donc on se retrouve pour l'ouverture du calendrier. On vient de finir manger. Evan voulait manger McDo. Il est 19h38. C'est kiki parce que j'ai tard encore. Ça me fait même plus rire. Je vous avoue, ça me fait plus rire. Mon ménage est fait. J'ai plus qu'à passer l'aspirateur et à laver demain matin. Et ça sera bon. Voilà. Ah, par contre, Evan, il a énormément de choses. La table, il m'en a remis partout, il y en a sur le canapé, dans le salon, bref, sa chambre, 5 Capharnaüm. Entre hier, aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a dû avoir une bombe, bref. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, on va ouvrir les calendriers, voilà, assez de parler. Je suis un peu au bout du rouleau. Donc... La Gloria, j'ai sorti tous les produits, comme ça on va aller attaquer. C'est un soin visage, c'est Julie of Saint Barth, d'une valeur de 45,90€. Alors là, je suis patatée. Oula. Je ne connais pas cette marque là, Julie of Saint Barth. Fluide visage, ok. Pourquoi pas? Bon, je ne connais pas du tout, donc à voir. Je vous avoue que là, je suis un peu... Ouais, je sais pas. Je connais pas du tout, donc... Ouais, tester. Et Rituals, on a un petit savon Swap. J'aime bien, des fois, les petits savons. Alors, est-ce que c'est un savon visage Sweet Orange et Cheddar Wood. Ok, boîte cedar et de cèdre. Cedar. Cheddar. De cèdre, pardon. Et orange douce. Mmh, ça sent bon en tout cas. Et je regarderai si du coup c'est End Swap. Ah d'accord, c'est un savon pour les mains. Ok. Donc ça va mettre dans la cuisine ou dans la salle de bain, pourquoi pas. Kills. Là ça a l'air d'être un plus gros format. Enfin, c'est pas une miniature. Ah oui, un plus grand format déjà. C'est beaucoup plus correct. Ah, bah, c'est le Ultra Facial Cleaner. Donc un nettoyant pour le visage. Ça c'est cool. Ça c'est très très cool, un nettoyant visage. Ouais, très bien. Chouette. Blissim. Nous avons... Ah, une brume de chez Adopt. Décidément Adopt, ils sont dans tous les calendriers, dans toutes les boxes, ils sont partout. C'est le rose... Chaman.
Ok, alors celui-ci je connais pas, Rose Shaman. J'espère que ça sent pas trop la rose. J'aime pas. Ouais, il y en a un hier senteur de rose. Je vous avoue que j'aime pas du tout. Ouais, j'aime pas du tout. En tout cas, voilà. Bon, c'est des très bons parfums, hein. Ça, y a pas de problème. Mais là, celui-là, bah, j'apprécie pas l'odeur. Bon. Donc je sais pas, soit je le mettrai sur mon compte Vinted, soit je vous le mettrai en concours. Je vais regarder. Je vais regarder parce que j'avoue qu'il y a des choses que j'ai changées sur ma liste. J'avais fait, je vous avais dit, j'avais préparé toute une liste de lots à vous faire gagner. Et puis finalement, j'ai changé un peu d'idée. J'ai rajouté des trucs qu'on avait reçus dans les calendriers que je vous ai proposé parce que je trouvais ça plutôt cool. Donc là, voilà, c'est un petit peu... Donc à voir, voilà, à voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait de recevoir ce genre de produits en concours. Et Mio, donc là c'est un petit pot, je me demande si c'est pas un petit pot de gommage ou je sais pas quoi, ou un pot de crème. Quel y a ? Masque coco spiruline. Ah, c'est un masque pour les cheveux, ça c'est cool. Je connais pas cette marque, mais en tout cas j'ai hâte de tester. J'aime beaucoup ce genre de produits. C'est assez particulier quand même. Ça sent pas forcément la noix de coco. Mais regardez la texture. C'est... regardez cette texture. C'est pas crémeux, c'est un peu... Je sais pas, on dirait qu'il y a des grumeaux, qu'il y a des morceaux dedans. Bon, à tester. Donc la muesli, c'est la fameuse case numéro 9. Voilà, donc on le connaît, c'est le berry coco, coco chet. Au chocolat, noix de coco et fraises. Voilà, avec des petites berries entourées de chocolat. Ce genre de truc, c'est super bon. Je ne fais pas le topo parce qu'on l'a déjà vu à la place du 6. Mais très très bien. Vraiment très très bien. Madeleine, ma préf de chez préf. Noix de coco et coque chocolat noir. Oh, c'est ma préférée de chez eux. C'est tellement bon. Elle a juste le bon goût de la noix de coco. Pas trop fort ni rien. Pas naturel. Pas super. Le goût, vous savez, un peu industriel, tout ça, là, surjoué. Non, non, franchement, un délice. En plus, avec la coque chocolat noir, franchement, le mélange, une tuerie. Dégustabox, par contre, ils auraient pu faire l'impasse. Hein. Un petit pot de fruits en sirop, vous savez. Pff, on avait déjà reçu dans une box, et je vous avoue, je ne l'ai même pas ouvert. On ne mange pas ce genre de truc, nous. À chaque fois, je me dis, bon, ça peut être sympa, ça peut dépanner, mais en fait, je suis pas du tout ce genre de truc. J'en mangeais beaucoup quand j'étais beaucoup plus jeune, étudiante, tout ça, c'était pratique. Mais en fait, c'est pas bon du tout. C'est pas bon, ça peut même pas le goût du fruit. La sauce, le jus dedans, il est tellement sucré que... Bref, ouais, je suis un peu déçue parce que c'est pas... Dans un calendrier, c'est pas terrible. La classe. Bon, c'est un goodie, mais qu'est-ce que c'est ? Ça sent bon en tout cas. Oula, c'est tout mou. Un élastique. Un sac peut-être. Ah, ça m'aille en gamme d'eau. C'est une petite housse, vous savez, pour porte-bouteille, pour protéger, que j'ai tout le temps. Et avec la petite, voilà, la petite anse pour porter, etc. Ou porter aussi ici, moi des fois je la porte ici. Pour protéger les bouteilles en verre. Ah, faut qu'ils reprennent sa forme. Puis en rouge, comme ça, de Noël, on dirait une chaussette de Noël, le truc. On dirait la haute du Père Noël. C'est trop mignon ça, par contre, je vais laver parce que ça sent fort le parfum. Je vais la laver, mais c'est trop mignon. Ouais, et puis du coup c'est un peu isotherme aussi, donc c'est top, j'aime beaucoup ce genre de petites choses. Aromathérapie, c'est une grande case, donc qui dit grande case dit thé. Cette fois-ci c'est donc toujours de Terre d'Oc, tisane bio, huiles essentielles, sommeil et bien-être. Ok, bon, j'ai pas besoin de... Là j'ai pas de problème pour m'endormir en ce moment, je suis tellement fatiguée que je m'endors direct. Ok. Vanimée, donc petite bougie carrée. Alors c'est une ronde. Vu comment ça bouge dedans, c'est une ronde. Et nous avons limite édition Persia. Ça sent bon. Ça sent très très bon.
Donc encore une fois, je vous remettrai ce que c'est comme note, etc. Mais ça sent bon. Ça sent, c'est très fleuri, hein, je crois quand même. Mais ça sent bon. Est-ce que c'était bien 9? Des fois j'ai un doute, hein, parce qu'on dirait vraiment des fois un 6. Mais bon, vu le dessin, je pense plutôt que c'était un 9. J'ai pas dû me tromper. Hein. Donc, c'est tout mou ici, ça. Un sachet dans un sachet. Il y a une pierre. Oh. 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 C'est trop beau. C'est. Je sais plus comment ça s'appelle. On va regarder sur le truc, mais il y a une petite chaîne. Moi, je pense que vous voyez bien. Et là, regardez. C'est magnifique. C'est magnifique. Regardez ça. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment trop trop beau. J'adore. J'adore ce genre de truc. Oh, j'adore ça. C'est vraiment magnifique. Regardez ça. Et vous l'accrochez comme ça et vous laissez suspendre. Et avec les rayons du soleil, eh bien ça va éclairer, etc. Le soleil va traverser les petits cristaux là, et puis du coup ça va illuminer un petit peu partout. C'est magnifique, vraiment, ça c'est super super beau. J'adore, je suis fan. Alors c'était 9. Un sun catcher, voilà, c'est pas un dream catcher, c'est un sun catcher, donc ça attrape le soleil. Est suspendu près des fenêtres ou une source de lumière naturelle et crée un véritable spectacle visuel qui éveille votre esprit et nourrit notre âme. Alors je sais que dans certains des fois dans certains endroits il l'accroche même dehors, etc. Bon, il va s'abîmer dehors, mais à l'intérieur de la maison, c'est trop beau. Donc c'est une invitation à la contemplation et à la méditation, car chaque reflet est instant, vous nous rappelle l'éternel cycle de la vie et de la lumière. Accroche de préférence près d'une fenêtre ou d'un espace où la lumière du soleil peut le traverser. Ouais, franchement, c'est trop beau. Je suis fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fan. 9 purelets, c'est une grosse case. Et nous avons... Et nous avons un collier, je suppose. C'est sympa, ça a l'air sympa. Oui, c'est un collier assez court, hein, quand même, avec une coquille Saint-Jacques, enfin un coquillage. Regardez, un coquillage. Et j'aime beaucoup le type de chaîne que c'est. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, par contre, moi je ferais peut-être pas si court, quoi que je ne sais pas. Ce que ça peut donner. Voilà. C'est très joli. J'aime bien. Moi, ouais, c'est très joli. Mais il y a des petits strass, non? Il y a des petits strass. C'est très joli. Donc voilà pour le calendrier. Pour les calendriers, franchement, bah, plutôt pas mal, à part un ou deux produits qui sont pas terribles. Mais sinon, franchement, dans la globalité, on est encore sur une bonne journée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça s'améliore de jour en jour. Pourvu que ça dure, hein, parce qu'on en est qu'à la 9e case, il en reste encore pas mal. Je vais vous laisser là. Je pense que de toute façon, il y aura eu assez de contenu. Entre mon ménage et puis le retour de course, voilà. Evan, là, il va sûrement, je crois qu'il est dans sa chambre. Il profite un petit peu de ses cadeaux. Et puis, je vous dis, encore pas mal de choses à faire demain. Normalement, ce week-end, il est prévu de faire la déco de Noël aussi, hein, parce qu'on n'a pas encore fait. Mais j'attendais que demain après-midi, on reçoive plein de monde, etc. Parce que on sera nombreux à la maison et je voulais pas qu'il y ait encore dans le salon le sapin en plus, etc. Au moins là, comme ça, il y aura de l'espace pour tout le monde. Il n'y aura pas de risque de casse ou quoi que ce soit.
Et je ferai sûrement le sapin. Je démarrerai peut-être samedi, demain soir. Et puis dimanche matin, je verrai comment ça se goupille. Mais je pense que je vais le faire en deux fois. Parce que sinon, j'aurai pas le temps. Et puis ben voilà, donc vous allez suivre un petit peu aussi ma déco. Il serait temps, voilà, tout simplement. Je sais pas si vous l'avez déjà fait. Enfin, je suppose que tout le monde l'a déjà installé. Nous, normalement, c'est toujours à la Saint-Nicolas. Mais avec l'anniversaire de Ben, c'est toujours un peu compliqué de la faire. Parce qu'il est né juste après la Saint-Nicolas. Donc, c'est pas facile de faire ça à ce moment-là. Bref, je vais passer à l'instant concours. Donc, je vous propose de remporter une crème pour les mains de la marque Feel Free. C'est le Repairing and Cream. Voilà, une crème réparatrice à la main pour les mains à l'huile d'amande douce, l'huile d'orange, extrait de camomille et vitamine E. Voilà, ça reste un très très gros format. Voilà, c'est un très gros format. Donc voilà, n'hésitez pas si cette crème vous intéresse pour les mains. Ben, n'hésitez pas à participer au concours comme d'habitude. Voilà, commenter, liker, être abonné à ma chaîne et répondre au Google Form qui est juste en dessous de la vidéo en bas d'informations. Voilà, tout simplement. Bah voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis on va se laisser, on va rester là hein, parce que du coup j'ai encore plein de choses à faire. Voilà, ouais, il est 20h donc j'ai encore le montage à faire et puis après à tout ranger. Je ferai les photos demain matin, je pense. Pff, ça va être encore la course. Allez. Ouais, bon, tant pis. On va essayer de gérer ça. Merci d'avoir regardé ce vlog et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo. Ciao! We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The time